Le 4 juillet, le bouffon a été intronisé par le syndic. Ce matin, lors du brunch réservé aux habitants de Saint-Pré, le voilà de nouveau présent. Les paysannes vaudoises de Saint-Pré et environ se sont levées de grand matin pour préparer ce festin. Moi, je pourrais vous prêter ça, mais... L'idée est bonne. Ah, regardez, si je vise bien. Ouais, c'est ça. Si je... Mais alors, il faut vous déplacer pas trop. Hein. On se mette... voilà. Oui, on... là, ça va. Excellent. Ouais, j'ai plus. Oui, c'est ça. Il y en a pour combien de temps? Déjà que j'ai le bouton, vous dire qu'il est chaud. Hein. Oh là là. Ratatam, premier bouffon de Saint-Pré. Et je vois que ça a bien commencé. Il y en a même qui ont déjà fini. Hein. Voilà. Alors, ça, vous commencez. Vous. Pas début pour tout. Ah, il faut toujours aller. je vais vous lire, puisque vous déjeunez. Attention. Je vais vous lire le dit de la tartine. Ça concerne tout le monde, la tartine. Alors. Là, j'ai le dit de la citrouille, mais c'est pas le moment. Ça pourrait être plus tard, mais on va y arriver. Alors voilà. Le dit de la tartine. Oh, que je tartine le quignon de mon pain, de bon beurre de cuisine, de confiture, de sucre fin. Que de rondelles de radis, que du plus savoureux pâté. Je recouvre mon pain bis jusqu'à l'extrême satiété. Encore, j'y mettrai du jambon en belle tranche multicouche, quelques olives, des cornichons, du croquant pour la bouche. Mais aussi, quelques fromages de pâte molle, de pâte dure, pourraient se mettre à l'avantage en remplaçant la confiture. Et puis encore, quelques sardines, du saucisson, du salami, tout ce que nature destine à combler le fol appétit. Et quand je pense à tout le miel dont l'or divin se cristallise, à ce nectar exceptionnel, il y a de quoi faire des bêtises. Car la tartine, depuis l'enfance, sucré, salé, selon les goûts, peut se grignoter sans décence. Laissez-vous les doigts, c'est tout. Ouais. Oh, c'est très bon. C'est vraiment bon. Voilà. En plus, la présentation, c'est très important. Ah, ben alors, mais oui. Introduire mon chapeau entre vous deux. Parce que, vous savez, c'est possible de bouffon à notre époque. Oh là là. Alors, allons-y. Le dit de la tartine. Bonjour, bouffon. Bonjour. Hey, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes là toute seule hein? Oh non, je resterai volontiers, mais. Mais voyez seulement, j'ai d'autres passages à faire. Alors. Vous ne m'en voulez pas? Et c'est déjà fait? C'est bien lancé, oui. Ça va vite. Hein. On est des bonheurs. Ça va vite, mais encore plus. Oui, tout à fait. Mais attention, madame, du beurre front au soleil. Pas de soucis, mon pont. Ça va aller. Voilà. Allons, on va redurcir tout de suite. Allons. Ah oui, va redurcir tout de suite. Il n'y a aucun problème. Bonjour, madame. Ça va, c'est bon. Et puis, ma foi, gardez-vous. Ah, bon, oui. Je ne remets pas sous chapeau. Non, il fait trop chaud. Il avait d'où le bouffon, ça partout. Mais oui, mais partout. C'est comme un troll. Si vous avez, par exemple, un espace chez vous, j'y suis. D'accord. C'est la 8e fois que je le dis, mais ça fait rien. Oh, je suis désolé pour vous. Mais non, mais ne soyez pas désolé. Je viens exprès pour vous, pour vous le dire, voilà. Comme si je ne l'avais jamais dit aux autres. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Encore faut-il que je le retrouve. Voilà. Alors, voilà. Je pourrais attendre, je vais faire.
Ouh, je crois qu'il y a encore mieux à faire. Est-ce que je peux vous confier mon texte? Et ça va dans l'autre sens. C'est incroyable. Allons-y. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Attention, hein, pas tout ensemble. Vous savez, en rien m'habille, moi. En rien me va. Il n'y a pas de problème. Quand j'ôte ça, je suis un homme normal. Allez, bon. Voilà. Et même comme ça, ça vous a aussi. C'est fabuleux quand même. Et voilà.